qui va porter, ouais, effectivement, sur ce que j'ai appelé la bomb culture, comme pour marquer la spécificité, en fait, britannique, plus généralement de ce que l'on nomme la contre-culture, en fait. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, aussi parce que j'ai la chance de donner des cours d'histoire de l'art et de la culture, en fait, à l'ESA Saint-Luc Bruxelles. Et donc j'ai la possibilité, en fait, d'intégrer dans ces cours un peu ce que je veux. Et donc, comme j'avais envie, il y a déjà plusieurs temps de travailler sur ce sujet de la contre-culture, voilà, ça m'a offert cette possibilité-là. Et je me suis vite rendu compte, après avoir fait pas mal de recherches, que donc il y avait une véritable spécificité de cette contre-culture britannique. Et donc, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est essayer de remonter aux sources de cette contre-culture qui va naître, je vais y revenir dans quelques instants, mais grosso modo au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui va connaître une première phase d'accentuation dans les années 50, et surtout au début des années 60, et qui va petit à petit se transformer, on va dire, ou enfanter, on va dire, de la mouvance punk à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc voilà, comme tu l'as rappelé, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de cette super exposition Punk Graphics. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller la voir, allez-y, parce que c'est vraiment exceptionnel. Cette collection est vraiment exceptionnelle. Et donc, je vous propose qu'on débute, donc sans plus attendre. Alors, je crois que les micros ont été coupés, mais à la fin, si vous avez des questions, voilà, on pourra converser un peu plus longuement. Alors, que ça va. Alors ça commence bien. Ouais, on va y arriver. Donc en Grande-Bretagne, et sans surprise, le principal foyer de cette contre-culture, ça va être Londres, la capitale. Donc Londres, à la fin des années 50, c'est une ville très dynamique. Ça devient la ville des coffee bars, des jeans, de la mini-jupe, de la musique, des cinémas, des spots publicitaires aussi qui commencent tout doucement à envahir l'espace public. De la musique pop, bien évidemment, avec cet engouement international pour la musique des Beatles notamment. C'est aussi la ville du pop art, qui va naître avec une exposition inaugurale de 1956. Je vais y revenir brièvement dans une dizaine de minutes. C'est une ville très extravagante, c'est une ville jeune, et c'est surtout et avant tout la ville de convergence, on pourrait dire, des artistes et des créatifs, et pas seulement anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent de Belgique, de France, etc., en fait, et qui se retrouvent à Londres pour créer des sortes de poches créatives, on pourrait dire, qui vont se développer à partir de cette époque-là. Donc cette période très particulière de la capitale britannique, elle porte un nom, on l'appelle la Swinging London. Et plus généralement, on parle des Swinging 60s, donc pour parler de ces années 60 britanniques, les Swinging 60s, donc c'est les années 60 qui swing, qui pulse, qui danse en quelque sorte, donc comme pour marquer encore une fois ce dynamisme, on pourrait dire, de la capitale et plus généralement de la société britannique. Juste quelques mots pour recontextualiser très vite. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et après d'importants bombardements infligés par les Allemands, la ville et le pays aussi vont mettre pas mal de temps à se remettre. C'est une phase de reconstruction, comme il y a un petit peu partout donc en Allemagne. Et donc à la fin de l'année 1957, la Grande-Bretagne, on pourrait dire, connaît une première phase de changement assez spectaculaire. Donc à partir de là, on va notamment constater l'arrivée de la télévision et de la publicité. Donc la télévision qui fait son apparition dans les foyers britanniques moyens, la publicité qui se déverse dans les rues. Sur un plan géopolitique, c'est le début aussi de la fameuse crise du canal de Suez, qui va tout doucement précipiter la chute de l'Empire et l'affaiblissement de la monarchie. Le rock fait également son apparition d'un point de vue social. Il fait son apparition sur le devant de la scène à cette époque. Et donc, face à ce premier élan, on va dire, de décrépitude de la bonne société britannique de l'époque, on voit que de nouveaux groupes d'artistes et de jeunes cultivent un esprit revendicatif, un esprit dynamique, un esprit jeune, en fait, qui va résonner dans toutes les strates de la société, et pas seulement dans la haute culture, comme on l'appelle alors. Je vais y revenir. Donc, ça fonctionne. La première mouture, on pourrait dire, de cette revendication juvénile, c'est intéressant parce qu'elle s'exprime par le style vestimentaire, mais surtout par l'attitude.
En fait, celles et ceux que l'on nomme à l'époque les Teddy Boys et Teddy Girls, et vous en avez un très bel exemple ici avec cette Teddy Girls donc, qui est photographiée par Ken Russell au début des années 50. Donc les Teddies, ils représentent pour ainsi dire la première véritable sous-culture. La première d'une longue série à laquelle appartiennent aussi les mods, les skinheads, les punks, bien évidemment. Cette nouvelle, comment dire, cette nouvelle, ce nouveau groupe social, il devient sous-culture, il se cristallise en sous-culture parce qu'il valorise un certain nombre de valeurs, de comportements, de rituels, de codes, d'attributs aussi, auto-assignés, auto-assignés par ces jeunes. Et qui attestent quelque part de leur besoin de se forger une identité, et une identité singulière, et une identité qui soit à l'opposé, on pourrait dire, de l'identité de leurs parents. Donc, à un moment où la normativité à l'œuvre, en fait, dans la société britannique, semble les rejeter, eux, ils font tout finalement pour s'indépendantiser, en quelque sorte. Et ces Teddies, ils vont inaugurer cet élan-là, qui va après se répercuter de génération en génération. Donc, ce que ces jeunes attaquent en priorité, encore une fois, on est au début des années 50, plutôt ce qu'ils transgressent, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est ce que l'on nomme les normes sociales informelles. Alors, c'est un terme de sociologie un peu nébuleux, alors, je ne vais pas me risquer à essayer de le définir précisément, mais pour le dire vite, en fait, c'est l'ensemble des mœurs, des coutumes et des habitudes d'une zone donnée, d'un pays ou d'une région. Alors, ces jeunes, ils sont pour la plupart issus de milieux très modestes, prolétaires. La seule alternative qui s'offre à eux, c'est de passer le reste de leur vie à trimer dans des usines comme leurs parents. Et donc, eux, ils veulent changer. Et comment ils le font? Ben, dans un premier temps, encore une fois, par l'attitude et le vestimentaire. Et donc, comme pour marquer leur appartenance de classe, mais aussi faire un pied de nez à cette société qui les rejette, ils décident de s'approprier, en toute ironie, un élément vestimentaire très connoté, à savoir le costume édouardien. Alors, c'est ce que porte cette jeune femme ici et ses camarades sur la photographie. Ce costume édouardien que l'on associe généralement au monde bourgeois à cette époque-là. Ils ajoutent à ça une coiffure extravagante, à savoir la banane pour les garçons et le chignon pour les femmes. Et ils vont développer une série de comportements qui, petit à petit, vont les rejeter à la marge. Alors, tous les week-ends, ils sortent pour boire, ils sortent pour fumer, ils sortent surtout pour danser le rock'n'roll. Tous des comportements, en fait, qui vont les identifier comme des individus déviants. Pour reprendre un autre terme de sociologie qui a été défini plus ou moins à la même époque donc par un sociologue américain du nom de Howard Baker. Et ces comportements, petit à petit, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils vont les isoler socialement. Et donc c'est intéressant parce que 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, cette même logique d'indépendance et de rejet, elle est aussi valable pour le mouvement punk. Ça va aussi être une même forme de stratégie qui va se mettre en place pour le mouvement punk. Et on verra qu'elle va même s'affirmer avec une virulence d'autant plus forte par les punks. Alors, pour vous montrer un peu l'étendue du problème à cette époque en Grande-Bretagne, alors j'ai pris quelques petites notes, c'est pour ça que vous me voyez tourner la tête vers la droite. Je lis de temps à autre les notes que j'ai ici. Pour vous montrer un peu l'étendue du problème à cette époque en Grande-Bretagne, voici comment la presse musicale de l'époque parle donc de l'intérêt de ces jeunes pour le rock qui vient de naître, je cite, en tant que phénomène social, l'engouement actuel pour le rock and roll est une des choses les plus terribles qui soient arrivées à la musique populaire. J'espère que les hommes d'affaires clairvoyants qui essayent de provoquer le boom du rock dans ce pays sont conscients de ce qu'ils font. J'espère aussi que la BBC Song Committee sera plus vigilante que jamais en examinant les paroles minables et obscènes sur lesquelles prospère le mouvement. C'est une menace immense pour l'approbation morale du jazz et son émancipation artistique. Il faut le combattre sans relâche. Alors, c'est des mots très durs à cette époque-là, qui plus est de la part de la presse spécialisée.
Il y a des éléments très importants. Je ne vais pas m'amuser à décortiquer dans le détail en fait toute cette citation. Il y a plusieurs éléments intéressants là-dedans. Le premier, c'est quand même qu'il y a une part de vrai, puisque lorsque la personne insiste justement sur la capacité des hommes d'affaires clairvoyants à provoquer le boom du rock, je pense qu'il ne se trompe pas. Il y a des gens à cette époque-là en fait qui sont déjà dans une phase de récupération de ce mouvement qui à l'origine était quand même un mouvement de revendication qui va prendre différentes formes, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou ailleurs. Il y a quand même une forme de récupération mercantile, on pourrait dire, qui est directement plaquée sur le rock and roll. Mais l'élément que j'ai retenu, en fait, qui pour moi est le plus amusant, c'est la façon dont cette personne parle du jazz et associe le jazz, donc en fait en quelque sorte le parangon de la morale à cette époque. Alors que si on remonte un petit peu dans le temps, au moment précisément où apparaît le jazz, ben, finalement, c'est le même vocable qui est utilisé pour le décrire. On parle aussi d'une musique presque satanique. On parle d'une musique de débauche. On parle d'une musique obscène qui n'a pas sa place dans la société, etc. Et donc, c'est intéressant de voir comment les mentalités changent en l'espace de quelques décennies. Et ça ne va pas aller en s'améliorant en quelque sorte, donc ça ne changera pas avec le temps, ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là. Il y a toujours une forme de rejet dans un premier temps, puis d'acceptation progressive qui se fait, puis de récupération. Cet élément de récupération, il est important, j'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je parlerai plus en détail donc de la mouvance punk qui émerge à la fin des années 70. Alors, ce qu'on va remarquer assez vite à cette époque, c'est que le style, mais surtout l'attitude en fait, qui est inaugurée par ces Teddies, en fait, elle va pas rester confinée à la classe ouvrière. Elle va pas rester confinée à la culture alternative. En fait, elle va en quelque sorte insuffler une nouvelle énergie à la création à cette époque-là en Grande-Bretagne. Et on va voir que même dans le milieu institutionnel, dans le milieu de l'enseignement artistique, ben les écoles d'art, en fait, elles vont petit à petit se métamorphoser, on pourrait dire, grâce à ces nouveaux phénomènes sociaux. Donc, les écoles d'art, jusqu'alors, étaient tenues par des enseignants et des administrations très traditionnalistes, très rigoristes aussi. Et petit à petit, donc, il y a de nouveaux lieux qui s'ouvrent et des nouveaux lieux qui vont diffuser une politique beaucoup plus libre et beaucoup plus ouverte aussi. Alors, l'exemple que j'ai retenu ici, c'est celui de l'Institute of Contemporary Arts, qui est créé donc en 1947. On est dans l'immédiat de sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais qui va véritablement se développer en tant qu'alternative au système des beaux-arts dans les années 50. Donc, l'ICA, l'Institute, il rassemble des critiques d'art, des artistes, des architectes, des mécènes, qui sont toutes et tous concernés par la valorisation, on pourrait dire, de la création de leur temps, ce qui n'est pas le cas de toutes les institutions à cette époque. Alors, ce n'est pas à proprement parler une école, bien qu'il y ait pas mal de cours, il y a un aspect pédagogique assez marqué dans ce lieu-là. Ce n'est pas à proprement parler une école, c'est plutôt, on pourrait dire, une plateforme de monstration, de mise en perspective critique aussi, parce qu'il y a beaucoup de discussions, de conférences, de passation de la parole en fait, qui sont organisées dans ce lieu-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens en fait, qui sont à la tête de cette institution, ouvrent la création plutôt à la pluralité, encore une fois, des tendances qui se créent et qui se cristallisent à cette époque. Alors, les expositions qu'ils vont montrer ou qu'ils soutiennent, elles font la part belle à des mouvements d'avant-garde qui sont jusque-là peu, voire pas du tout connus en fait en Angleterre et plus généralement en Grande-Bretagne. Alors, ce sont les premiers à montrer des expositions des différents groupes surréalistes. Ce sont les premiers à montrer des expositions des expressionnistes abstraits, qu'ils soient allemands ou américains. Plus tard, ce seront les premiers à montrer les œuvres, pardon, des nouveaux réalistes. Les théories architecturales et urbanistiques modernes, notamment le brutalisme, je vais y revenir.
Et à partir des années 80, une insistance aussi sur ce que l'on va nommer les nouvelles cultures urbaines, donc graffiti, etc. Donc voilà, encore une fois, une politique curatoriale en fait très ambitieuse qui fait de chaque exposition une expérience immersive pour le visiteur. Et vous avez ici une photographie, une vue d'installation, donc de la fameuse exposition This is Tomorrow, qui est montée en 1956 par l'Independent Group, qui est, pour le dire très vite, un groupe d'artistes affiliés à l'ICA, affiliés à l'Institute of Contemporary Arts, et qui va donner donc le coup d'envoi du pop art. Donc pour cette exposition, un peu moins de 40 artistes sont sélectionnés. Alors pour vous en citer quelques-uns, Victor Passmore notamment, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui à cette époque était une des figures de l'art conceptuel, de la sculpture britannique. Les époux Smithson aussi, Alison et Peter Smithson, qui passent pour être les initiateurs du style architectural brutaliste. Donc une phase tardive en fait, on va dire, de l'architecture moderne, qui va se déverser dans le monde entier au départ de Londres et de la Grande-Bretagne. Il y a Richard Hamilton, bien évidemment, qui montre ses œuvres. D'ailleurs, j'ai sélectionné ici cette fameuse œuvre d'Hamilton, Just What Is That Makes Today's Home So Different, So Appealing, qui est présentée pour la première fois donc lors de cette exposition et qui est un condensé quelque part en fait de tout ce que le pop art propose. Tout ce que le pop art en fait interroge ou plutôt met en œuvre dans ses tableaux, dans ses collages, dans ses installations. Alors, ces œuvres, en fait, elles nous montrent précisément ce qui est en train d'envahir à cette époque l'environnement visuel britannique, les bandes dessinées, les jukebox, les radios, les télévisions, la technologie aussi, qui commence à faire petit à petit son apparition dans les foyers, les films grand public, la pub, etc., etc. Donc en bref, un art produit pour un public de masse, comme on commence à l'appeler à l'époque. C'est à cette époque-là que le terme est introduit. D'ailleurs, à ce titre, la définition que Richard Hamilton va donner du pop art est assez... populaire, éphémère, superflu, bon marché, produit en masse, jeune, spirituel, sexy, gadget, glamour, mais surtout très rentable. Et c'est intéressant déjà de terminer sur ce terme, mais en bref, si on essaye de faire un condensé en fait de tout ce qui est amené par tous ces termes qui sont mobilisés par Hamilton, on pourrait dire que le pop art, sans proposer une alternative à l'esprit du temps, société, on pourrait dire britannique et plus largement occidentale de l'époque, lui va plutôt tenter de présenter et aussi d'interpréter un tant soit peu les mutations culturelles qui ont lieu à cette époque et qui sont quand même des mutations culturelles profondes qui vont vraiment reconfigurer la façon dont on considère à peu près tout dans cette société moderne. Et il est important aussi de comprendre que tous ces artistes, que ce soit Hamilton ou les autres, qui participent à cette exposition This is Tomorrow et qui vont faire du pop art ce qui va devenir par la suite, tous ces artistes ne sont pas en rupture par rapport à leur époque. Ce que fait le pop art, c'est plus, on va dire, se jouer de la notion de populaire, en faire une sorte de condensé, mais ne jamais se mettre en rupture par rapport à cet élan, par rapport à cette dynamique. Donc, on ne peut pas véritablement parler de contre-culture, on ne peut même pas du tout parler de contre-culture en ce qui concerne le pop art, puisqu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune mise en perspective critique en fait, de ce qui est mobilisé ou montré dans les œuvres. Il s'agit plus d'une volonté de rendre compte, encore une fois, au moyen des images de consommation, au moyen des éléments, des artefacts qui font de cette société. Rendre compte de l'ère néolibérale qui est en train de se mettre tout doucement en place donc à cette époque en Grande-Bretagne et ailleurs. C'est vrai que c'est pas spécifique à la Grande-Bretagne. Mais là-bas donc la première rupture, on pourrait dire, qui va émerger, pour moi, elle a lieu à une date assez précise, c'est 1963.
Alors, pourquoi 1963? Parce que cette année-là est inauguré un truc, est inauguré une sorte d'anomalie culturelle, on pourrait dire, qui est du fait de deux individus. Alors, le premier, c'est un romancier, il s'appelle Alexander Trocky, et le second, c'est un poète, Jeff Nuttall. Et ces deux amis se lancent en 1963 dans un projet éditorial, dans un premier temps. Un projet éditorial un peu spécial qu'il nomme, vous voyez, le Sigma Portfolio. Alors, juste pour vous parler 2 minutes de ces deux bonhommes, donc Alexander Trocky, c'est d'abord un junkie, un peu fêlé, c'est vrai, mais assez génial, qui, dans les années 50, se fait d'abord un nom à Paris en lançant une revue d'avant-garde qu'il intitule Merlin, comme le Merlin l'enchanteur de la légende arthurienne. Une revue d'avant-garde pour laquelle vont collaborer notamment Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Samuel Beckett, donc quand même les grands noms, on va dire, de la pensée et de la philosophie, aussi de la littérature de la seconde moitié du XXe. Et le second, donc, Jeff Nuttall, lui, il est donc poète et il est aussi amateur de poudre. C'est comme ça qu'ils se rencontrent, je crois, dans un premier temps. D'ailleurs, il y a un bouquin génial à ce propos, je vous en reparlerai par la suite, qui raconte un petit peu toutes les anecdotes de cette époque. Un bouquin de Barry Miles, qui a fait partie de cette première contre-culture britannique. J'y reviendrai plus tard. Et donc, Jeff Nuttall, lui aussi, dans les années 50, va lancer une revue qu'il appelle le Writers Forum, donc le Forum des écrivains, à laquelle vont participer tous les grands noms de l'avant-garde artistique de l'époque. John Cage, donc le musicien et compositeur américain, pas mal aussi d'auteurs de la Beat Generation, Allen Ginsberg à plusieurs reprises, des artistes britanniques ou américains ou français ou autres de passage à Londres à cette époque, et notamment Alan Kaprov qui proposera plusieurs happenings textuels, on va dire, en fait, pour la revue. L'idée derrière cet objet éditorial un peu spécial, ce Sigma, c'est de proposer une collection de documents reproduits. Donc c'est une sorte d'encyclopédie DIY, si on veut, ou d'œuvre collective un peu foireuse, ça dépend des fois, à laquelle vont néanmoins contribuer tous les grands noms de l'underground de l'époque. Alors, dans une page du Sigma Portfolio, vous pouviez avoir des bribes de texte de William Burroughs assemblées à des poésies d'autrices ou d'auteurs américains de passage à Londres, des déclarations aussi de sombres inconnus que Trocky avait rencontrés la veille et avec qui il avait terminé dans un bar, des dessins, même de la peinture, etc. Donc, un objet assez hybride, évolutif aussi selon les moments en fait de publication. Et cet ouvrage, il va être important à plus d'un titre. Il va être important d'abord parce qu'il va offrir à une scène contre-culturelle britannique jusque-là très confidentielle, tapie dans l'ombre, une première devanture, un premier éclairage, on pourrait dire. Dans un premier temps, sous la forme de l'édition, alors c'est ce que vous avez en guise d'exemple ici à l'écran, vous avez 2 pages de ce fameux Sigma, vous voyez quelque chose d'assez rudimentaire avec certains passages écrits à la main, d'autres qui ont été dactylographiés, d'autres qui ont été agrafés, des tampons, des petites notes, etc. Et donc quand vous receviez la revue ou quand vous la trouviez, parce qu'il y avait différents points de distribution qui étaient pensés à l'autre, c'est exactement ce que vous trouviez. Vous trouviez ça. C'est-à-dire que là, elle n'a pas été tellement altérée par le temps, en fait, ces pages-là étaient presque telles quelles. Et il vous était même conseillé, en fait, de vous accaparer cet objet, donc de produire aussi sur les pages. Donc, dans un premier temps, le Sigma va offrir, je vous disais, à cette scène contre-culturelle une première devanture, à la fois sous forme d'édition, ce que vous avez là, mais aussi sous forme d'action publique. Et là, ça devient intéressant pour le sujet. Donc, en l'occurrence, la grande idée d'Alexander Trocky comment dire, pour accompagner en fait ces publications, c'est de louer des panneaux publicitaires dans les métros londoniens pour y installer en grand format des pages de texte, des manifestes, des dessins, des déclarations, etc., etc., etc. Comme si quelque part, en fait,
les objets de cette culture de masse, les panneaux publicitaires et autres, étaient détournés, étaient retournés, détournés en fait, pour accompagner finalement l'érection d'une pensée contre-culturelle en fait, qui commence à se cristalliser à cette époque-là, qui trouve une première phase une première phase d'aboutissement en fait sous forme éditoriale, mais une autre phase d'aboutissement dans l'espace public. Et donc, même si c'est, il faut dire que ces campagnes d'affichage seront extrêmement ponctuelles et de courte durée, elles ont néanmoins le mérite, dans un premier temps, de rapprocher Alexander Trocky de Guy Debord et des groupes situationnistes, qui, on le sait, accordent une importance capitale donc, au domaine public dans l'élaboration donc, d'actions politiques, d'actions esthétiques, mais surtout politiques. Et si l'on se concentre sur le contexte purement britannique, on voit que ces campagnes anticipent, voire annoncent aussi, les méthodes appliquées 10-15 ans plus tard par plusieurs groupes punk engagés, à commencer par le groupe Crass, dont j'aurai l'occasion de vous reparler donc en fin de conférence. Et d'ailleurs, petit aparté, il y a plusieurs posters de ce groupe Crass, CRA2S, donc dans l'exposition Punk Graphics, qui sont pour moi des symboles forts, encore une fois, de cette exposition et de l'engagement aussi des artistes punk à cette époque. Quand je dis à cette époque, c'est à la fin des années 70, début 80. Alors, petit détail important avant de passer à la suite, et toujours à ce propos, quelques années plus tard, donc en 1968, Jeff Nuttall, donc le camarade d'Alexander Trocky, va publier un ouvrage substantiel qu'il intitule « Bomb Culture ». Alors, ça ne vous aura pas échappé, cet ouvrage, donc je me suis emparé de ce même titre pour qualifier donc cette conférence. Et cet ouvrage, pour moi, il est important à plus d'un titre. Alors, d'une part, il va poser le postulat que la menace de l'holocauste nucléaire a perverti la culture comprise au sens large. C'est le premier ouvrage, en fait, à acter de cet état de fait. Donc, quand je dis culture au sens large, c'est autant la culture underground que la culture mainstream. Et donc, pour Nuttall, désormais, ces cultures, elles n'ont d'autre choix que de se positionner par rapport à ça, par rapport à cette destruction potentielle. Donc, pour le dire autrement, la prise de conscience à cette époque de la potentialité de la destruction totale va en quelque sorte reconfigurer les esprits et aussi déterminer les attitudes des acteurs culturels et des contenus de la création. Un petit peu comme ce qui s'était passé en fait juste après la Première Guerre mondiale, donc la violence extrême avec laquelle la Première Guerre mondiale s'était abattue sur le monde, avait eu comme conséquence dans le domaine de la création de refonder, de reconfigurer complètement les choses et avait permis aussi l'émergence de tout un tas de groupes qui allaient devenir célèbres en fait, à commencer par Dada bien évidemment, et qui allaient avoir une incidence sur la création qui allait venir les quelques décennies après, même encore jusqu'à aujourd'hui. Donc là, l'élément important, c'est cet élément destruction, c'est cette potentialité de la destruction. Et les Britanniques, par le biais de cet ouvrage, mais par le biais d'autres événements et d'autres faits notables, vont mettre une insistance capitale justement sur cette potentialité de la destruction et sur cette potentialité de la destruction nucléaire. D'où le titre « Bomb Culture ». Plus proche de la date d'apparition de l'ouvrage, donc 1968, ce qu'il va permettre dans un premier temps surtout, c'est de dresser un panorama d'une création contre-culturelle consciente de cette menace, qui insiste dans ses créations sur cette menace et qui décide d'esquisser des alternatives sociétales, justement, pour tenter de sortir de cette situation, situation de destruction potentielle. Donc, comme le dit Nuttall, je le cite, « Les gens qui n'avaient pas encore atteint la puberté avant la bombe étaient incapables d'envisager la vie avec un avenir. » Et donc, cet état de fait, qui selon moi est très juste, c'est vrai que, comme il le dit, en fait, on est face à une génération un peu désabusée, en fait, qui vit et qui grandit dans une société à deux vitesses, qui est extrêmement cloisonnée, extrêmement compartimentée, sur laquelle pèse cette menace permanente. Elle va, quelque part, elle va se l'accaparer, en fait, cette énergie-là, et ça va la pousser à agir. Et on va voir comment elle va agir.
Alors, il y a deux événements de taille qui datent de cette époque et qui vont en quelque sorte relayer cette première prise de conscience. Alors, le premier événement, il a lieu au Royal Albert Hall en 1965, et le second, il a lieu au African Center de Covent Garden un an plus tard, donc en 1966. Le premier de ces événements, pardon, c'est donc le Poetry, pardon, International Poetry Incarnation. International Poetry Incarnation. C'est une manifestation de taille qui va rassembler plus de 7000 personnes qui sont venues écouter les artistes de l'opposition culturelle de l'époque, des artistes qui s'expriment par un engagement politique fort pour la plupart. Ce sont tous des artistes impliqués dans des luttes pacifistes, antimilitaristes, anticolonialistes, des gens qui militent notamment pour le désarmement nucléaire, qui commencent à organiser les premières manifestations sur le sujet à cette époque. Et lors de cet événement, c'est intéressant parce que cet engagement va s'exprimer par une approche interdisciplinaire. Autrement dit, par une sorte de rapprochement entre la frange créatrice, on va dire, de la société et la frange plus politisée, en fait, de la société. Alors, j'ai choisi un exemple parmi beaucoup d'autres, mais vous avez ici à l'écran Michael Horowitz, qui joue à cette occasion l'un de ses Live New Departures, qui est un spectacle engagé, qui va mêler poésie, musique jazz, projection de lumière aussi, donc quelque chose de très scénographié, d'assez spectaculaire. J'ai choisi cette œuvre en fait parce qu'elle est assez révélatrice pour moi du fonctionnement en fait de cette première contre-culture. Cette première contre-culture qui s'attache en fait à diffuser un message d'opposition, un message engagé sur des thèmes de société en fait que tout le monde partage et qui sont d'une importance capitale à l'époque. Et comment le font-ils? Par l'expérimentation. Et ils le font par l'expérimentation, le langage neuf et le spectaculaire. Et donc, à ce titre, pour moi, ce Live New Departures, il est assez révélateur, encore une fois, de la stratégie qu'opèrent ces artistes à cette époque. Alors, en plus de ces spectacles multidisciplinaires, il y a beaucoup de projections qui sont organisées, des projections de films qui, pour la plupart, ont défrayé la chronique à cette époque, dont notamment les films de Kenneth Anger, célèbre réalisateur américain. Qui est peu, voire pas projeté en Europe à cette époque. Beaucoup de films de Ian Hugo aussi, des films qui sont normalement interdits à la diffusion en Angleterre à cette époque, parce qu'on y voit généralement des corps nus. Alors on ne peut pas parler de films à caractère pornographique en ce qui concerne les films de Ian Hugo, mais le simple fait en fait de montrer des corps dénudés choque profondément la morale de l'époque. Donc on va les interdire à la diffusion. Lors du festival, enfin plutôt lors de cette soirée de poésie et d'incarnation, donc les poètes américains de la Beat Generation se retrouvent également pour des lectures de quelques-uns de leurs textes phares. Et donc cette grande réunion de l'underground, c'est également l'occasion pour les artistes comme pour les spectateurs de se faire passer sous le manteau des publications qu'ils ne peuvent pas trouver en librairie, mais aussi de s'organiser. C'est-à-dire d'organiser, pourquoi pas, les prochains meetings, les prochaines réunions, les prochains sittings. Voilà, essayer d'organiser un tant soit peu, en fait, les actions à venir, puisque c'est un art qui se pense dans l'action. Alors, cette scène contre-culturelle, on comprend bien qu'elle se pense sur un mode collectif, sur un mode spectaculaire aussi. La spectacularisation des gestes, ça c'est quelque chose de très transversal qu'on retrouve dans pratiquement toutes les intentions artistiques, toutes les intentions créatives de l'époque. Ce qui me permet donc d'aborder le deuxième événement dont je voulais parler, où on va retrouver de façon décuplée cette spectacularisation et cette collectivisation, qui est un événement qui est donc organisé en 1966, un an plus tard, et qui s'intitule le Destruction in Art Symposium. Donc le symposium de la destruction dans l'art, ou DIAS, comme on l'appelle à l'époque. Alors c'est un événement qui est peu connu et pourtant qui a rassemblé des dizaines et des dizaines d'artistes à cette époque. C'est un événement qui est à l'initiative d'un artiste non pas britannique mais allemand, qui s'appelle Gustav Metzger. En fait, il va convier pendant quelques temps,
beaucoup d'artistes britanniques et autres. Alors, j'en ai relevé quelques-uns, notamment John Latham, une figure de l'art conceptuel britannique des années 60. La très célèbre Yoko Ono aussi va produire des actions lors de cet événement. Pas mal d'artistes affiliés au groupe Fluxus, qui est un des groupes internationaux qui s'est vu aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, surtout en Allemagne. Et donc le symposium à proprement parler, il est organisé pendant 3 jours, donc 31 août, 1er et 2 septembre 1966. Mais pendant tout le mois de septembre, des lectures, des happenings, des performances et des actions vont prendre place un petit peu partout dans la ville de Londres et de façon complètement impromptue. C'est-à-dire qu'un beau matin, vous leviez et puis dans votre rue, il y avait une série d'artistes qui se mettaient à détruire un piano, par exemple. C'est le cas de la performance de Rafael Montañez-Ortiz qu'on voit ici. Et donc, comme l'explique Gustav Metzger en préambule, lors de l'ouverture du festival, son but, c'est, comme il le dit, de mettre l'accent sur l'élément destruction par les happenings et autres formes d'expression artistique pour le mettre en relation avec la destruction à l'œuvre dans la société. C'est un fameux programme, c'est quelque chose d'assez spécial, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui va quand même avoir un sacré retentissement. Alors, pour qu'on comprenne bien, le symposium, c'est d'abord un événement transdisciplinaire, ce qui le sort du seul petit monde de l'art et de son opacité générale. Donc, vont s'y croiser des artistes, mais aussi des scientifiques, des philosophes, des femmes et des hommes politiques engagés à l'époque, et toutes et tous participent à cette réflexion commune de la destruction et de la société. Et cette réflexion, Metzger la résume en ouverture du festival lorsqu'il dit « Dans le contexte du possible anéantissement auquel nous faisons face, l'étude de l'agressivité humaine et des aspects psychologiques, biologiques et économiques qui conduisent à la guerre nous paraissent capitales et nous proposons le travail de recherche le plus fondamental que les êtres humains puissent entreprendre. En tant qu'artistes, nous devons cantonner la destruction à de nouvelles formes d'art et chercher tous les liens possibles que cette destruction entretient avec la société. » Alors c'est intéressant comme parti pris puisque selon lui en fait l'art doit avoir pour vocation en fait de cantonner, de circonscrire en fait la destruction et même avant ça elle n'a pas d'autre choix, l'art n'a pas d'autre choix en fait que de se positionner face à cette destruction. Donc on retrouve un petit peu ce que je vous disais auparavant avec cette fameuse menace qui plane au-dessus des têtes, cette fameuse culture de la bombe qui est là, qui est très présente et qui imprègne aussi donc ces mentalités et ce festival. Et cette dernière annonce, là, celle que fait Metzger et que je vous ai reproduite ici donc, sur vos écrans, elle révèle en réalité l'une des caractéristiques essentielles de la contre-culture de l'époque, qui est la recherche de nouveaux langages artistiques susceptibles d'être utilisés par les artistes pour se positionner ou pour s'opposer en quelque sorte, pour manifester leur opposition à un certain nombre de choses qui surviennent dans la société. Alors les langages qu'ils tentent ou qu'ils veulent expérimenter ne reflètent pas l'approche traditionnelle de l'art, mais prennent en compte un certain nombre d'éléments sociaux, politiques, scientifiques et autres, donc sont directement reliés finalement aux enjeux et aux problématiques de société. Et dans le prolongement de cette idée, le second élément qui en fait un événement capital à l'époque, c'est qu'il développe en Grande-Bretagne l'idée d'un geste artistique non plus en termes de matériaux, mais en termes d'événements. Quelque chose qui sera aussi remis d'actualité avec les punks, puisqu'on pourrait dire que le premier logiciel en fait, d'expression des punks, ça va être le concert. Ça va être un moment de réunion, on pourrait dire, une déflagration très rapide, très puissante à un moment donné, et puis une évanescence presque immédiate après le concert. Donc ça naît quelque part de cette dynamique-là. Donc à cette époque, cette insistance non plus sur les matériaux mais sur l'événement, elle va se traduire par
une volonté de mettre le corps en action. Donc, c'est ce qu'on appelle à cette époque les performances, les happenings, etc., qui sont multipliés lors de ce mois de symposium et qui vont quelque part essayer d'exprimer finalement toute la dangerosité, en fait, toute la dangerosité, toute la violence aussi de la société occidentale de l'époque qui ne fait finalement que se métamorphoser depuis le début du XXe siècle, mais qui ne cesse jamais véritablement, qui ne fait que prendre toujours plus de puissance, en quelque sorte. Alors, la société, d'ailleurs, on va en parler. Alors, en l'occurrence, cette société britannique, donc de l'époque, elle fait face depuis près de 10 ans à une montée sans précédent des tensions communautaires. Mais aussi, ça c'est un truc qu'on constate dans les années 60, et ça va de pair, à une multiplication des discriminations envers les populations immigrées et bien évidemment la violence des confrontations qui en découlent. Donc c'est pas pour rien si un événement comme le Destruction in Art si un événement comme celui-là voit le jour dans les années 60, c'est aussi parce qu'il s'intègre dans une société qui est clivée et qui fait montre d'une grande violence aussi à cette époque. Alors, pour recontextualiser très brièvement ce phénomène, qui va me permettre tout doucement d'arriver justement sur l'émergence du punk, on peut dire déjà qu'il y a plusieurs jalons qui vont baliser la montée de ces tensions. Alors là, le premier, c'est l'instrumentalisation dès la fin des années 50 et au début des années 60, d'une partie de la jeunesse prolétaire par plusieurs partis d'extrême droite. Donc les fameux Teddies qu'on a vus tout à l'heure, ils se font en quelque sorte récupérer. Ils deviennent le bras armé, une partie d'entre eux, de ces mouvements d'extrême droite. Donc ils sont des mouvements d'extrême droite très violents. Le mouvement de l'Union ou le White Defense League, dont vous avez une image ici, sont des partis fascistes, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ces mouvements vont pousser ces jeunes à aller se battre, à aller ratonner aussi dans les quartiers à forte population immigrée. Et leur discours, il est très simple. En bref, les immigrés prennent nos femmes et nos boulots, il faut les descendre. Et je caricature à peine quand je dis ça, puisque à l'époque, la violence verbale fait aussi partie du décor et on assiste à une démultiplication, on va dire, des messages de haine à l'encontre de certaines populations britanniques. Alors, ce type de discours, on le comprend, sans surprise, va mettre le feu aux poudres et il va favoriser, bien évidemment, la montée des violences gratuites, focalisées à cette époque sur le bouc émissaire favori de la société post-industrielle, construite sur un terreau colonialiste bien ancré, à savoir les personnes immigrées. Donc en 1958 éclatent des émeutes que l'on nommera après coup les émeutes de Notting Hill qui vont créer d'énormes tensions entre les différentes communautés qui habitent ici mais aussi entre la police et les communautés afro-caraïbéennes qui sont majoritaires dans ce quartier. La police qui est accusée après les émeutes d'avoir limité son intervention à du maintien de l'ordre, d'avoir sciemment refusé de prendre en considération la nature raciste des attaques, etc., etc. Donc de grosses tensions qui vont ensuite se répercuter en fait, dans les médias, etc., et qui vont vraiment faire grand bruit. Il y a d'ailleurs beaucoup de groupes qui, 10-15 ans plus tard, à commencer par les Clash, écriront des chansons justement sur ces émeutes, les émeutes de 58, donc. Et donc, malgré ça, malgré cette montée des tensions, plutôt à cause de ces tensions, le politique de l'époque, quelque part, il est obligé de réagir, surtout pour éviter que mûrisse en Grande-Bretagne un mouvement des droits civiques qui est similaire à celui que connaît les États-Unis plus ou moins à la même époque et qui est en train d'ébranler la société américaine. Et donc, dès la fin des années 60, le gouvernement britannique va préfigurer la mise en place d'une politique multiculturelle, comme on commence à l'appeler à l'époque, et Roy Jenkins, qui est un ministre, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, va défendre l'idée nouvelle que les populations immigrées ont le droit de conserver leur culture, leur langue, leur religion, etc., etc.
Alors, c'est un discours et une politique qui, dans un premier temps, va permettre aux choses de s'apaiser, va permettre à la situation de s'apaiser, mais qui, malgré tout, et malgré les bons sentiments dont il fait preuve, en fait, n'empêche pas la complaisance aussi d'une majorité du politique envers les agissements violents de l'extrême droite britannique de l'époque, qui continue d'organiser en pleine rue des appels au meurtre, concrètement. Donc ça, c'est pour la situation, on va dire, sociale et politique de l'époque, mais surtout, j'allais dire surtout à Londres, mais c'est une situation relativement générale. Je vous parlais donc de cette intensification de l'immigration à l'époque. Donc là, en termes relativement négatifs, qui va mener à des tensions, qui va mener à extrêmement de violence, etc., du fait de sa... comment dire, du fait qu'elle est prise pour cible en quelque sorte par des individus, mais cette intensification de l'immigration, quand on la prend d'un point de vue logique et positif, en fait, on constate qu'avec elle, en fait, les populations immigrées ramènent dans leur bagage des éléments culturels, pléthore d'éléments culturels nouveaux, qui vont peu à peu infuser dans la société britannique. Alors, le premier de ces éléments, c'est bien évidemment la musique et plus spécifiquement le reggae. Le reggae qui est ramené, bon, vous savez certainement, de la Jamaïque. Et donc à cette musique nouvelle que les populations autochtones britanniques en fait ne connaissent pas, s'ajoute une approche nouvelle puisque c'est une musique qui est destinée à être jouée dans la rue, où elle est diffusée donc par les fameux sound systems. Et vous avez une image ici de ces sound systems qui sont des murs de son, donc des murs d'enceinte qui sont certains itinérants. Donc ils sont pensés pour être déplacés dans les rues, pour être joués à grand volume, etc. Donc il y a même des fois des batailles, des battles comme on les appelle, qui sont organisées entre différents sound systems. Tout ça, on le voit dans les rues de Londres comme on le voyait 10 ans avant dans les rues de Kingston en Jamaïque. Et on le voit apparaître à Londres à partir des années 70. Donc le reggae, c'est une musique intéressante parce que c'est une musique contestataire par essence et elle est immédiatement comprise et acceptée par la jeunesse britannique majoritairement blanche qui voit en elle l'expression du malaise social qu'elle vit tous les jours et qu'elle partage aussi avec ses populations immigrées. Donc par la musique, il va y avoir une sorte de rapprochement qui va se créer entre ces populations fraîchement arrivées en métropole et des jeunes qui ont grandi en fait dans ces quartiers, mais qui parviennent en fait à trouver un point d'accroche en quelque sorte par ces éléments culturels et donc par la musique. Alors malgré cet intérêt et cette ouverture de la jeunesse pour ces nouvelles données culturelles, pour ces nouveaux objets culturels très forts qui vont créer de nouvelles identités. En fait, sur le plan social, ce dont on se rend compte, pardon, à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est que les discriminations ne ralentissent pas. Elles ne ralentissent franchement pas, malgré aussi la promulgation d'une série de lois civiques, notamment... Le Race Relations Act de 1965, qui interdit de refuser l'accès aux établissements publics et privés aux personnes de couleur. Et les violences ne ralentissent pas aussi parce qu'elles continuent en fait d'être alimentées par certains politiciens qui jouissent d'une forte popularité auprès d'une frange non négligeable de la population. Alors, c'est notamment le cas de Enoch Powell. Vous voyez ici une sorte d'inscription de graffiti qui dit Powell pour président. Enoch Powell, qui est à l'époque, à la fin des années 60, donc secrétaire d'État à la Défense, qui va conduire donc de nombreuses campagnes anti-immigration très violentes, avec des slogans ouvertement racistes, qui va haranguer les foules, etc., etc. Et que l'histoire retiendra surtout pour avoir prononcé en 68 un discours très célèbre qu'il intitule Le discours des fleuves de sang. Alors dans ce discours, il fustige très violemment l'immigration qui représente selon lui une menace pour la bonne société anglaise et aussi, comme il le dit, pour l'Empire, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Empire est encore très vivace à cette époque-là. Il commence à s'effriter, mais il est encore là.
Et même si à la suite de ce discours, donc, il lui sera demandé de démissionner, ses idées vont avoir une résonance dans la rue, mais aussi au gouvernement, puisque Margaret Thatcher, qui entre en poste en 1979, donc 10 ans plus tard, va se faire le relais de beaucoup de ses idées durant les décennies qui vont suivre. Donc, en conclusion, on peut dire que la fin des années 60, plutôt de la fin des années 60 à la fin des années 70, et même un peu au-delà, le Royaume-Uni, finalement, il n'a plus grand-chose d'uni. Il fait face à des mouvements séparatistes des quatre côtés de l'île, son peuple s'entre-déchire, sa politique se raidit considérablement, ce qui a pour conséquence donc de la montée des violences, on va dire, dans la rue, et son empire commence à s'effriter de plus en plus. D'aucuns diraient qu'il est agonisant même à cette époque. Et donc, face à tant de discorde, la royauté et le gouvernement ont une idée. Pour camoufler en quelque sorte la fracture sociale, qui est très importante comme on aimait le voir à l'époque, ils vont sortir la recette du bon vieux symbole national et fêter en grande pompe donc le jubilé d'argent de la reine Élisabeth II. On est en 1977. Donc les choses s'enveniment considérablement entre 68 et 1977, et c'est à partir de là que la monarchie décide de faire quelque chose. Comment? En mettant en avant la figure maternelle, en l'occurrence, la figure royale, pour essayer d'apaiser les choses. Alors, c'était sans compter sur la frange la plus désabusée, on pourrait dire, de la jeunesse, qui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec la propagande d'État de l'époque, parce qu'elle se sent flouée aussi par le politique depuis des années, parce qu'elle ne se reconnaît pas non plus dans les restes d'une monarchie qui, selon elle, a fait son temps, mais surtout parce qu'elle vit au quotidien les discriminations et les violences, les injustices aussi, que cette grande fête essaye de masquer, qu'elle décide de diffuser un cri de ralliement qui va se matérialiser par une musique rapide et brute, qu'on appelle désormais le punk. Alors, les Sex Pistols, l'un des premiers groupes punk, va s'attaquer frontalement à ce camouflage en règle. Alors, le très célèbre God Save the Queen, donc leur premier album, et qui est aussi leur premier titre qui est diffusé, est une protestation culturelle très sérieuse contre, dans un premier temps, le jubilé. Le fameux jubilé de la reine en 1977. On pourrait même dire qu'en fait, il est diffusé pour ça. Il est diffusé pour s'opposer, pour cracher à la face en fait du jubilé à cette époque. Et pour cracher à la face aussi, par extension, des valeurs portées par la monarchie et mises en avant à ce moment-là par la monarchie. Alors, God Save the Queen, c'est d'abord une simple chanson aux airs d'outrage, qui est cependant symptomatique de l'état de décrépitude de la Grande-Bretagne de l'époque. Et d'ailleurs, il est immédiatement, je dis bien immédiatement, interdit à la diffusion. C'est-à-dire qu'il va sortir parce qu'immédiatement, donc, il va être interdit à la diffusion. Ce qui ne va pas empêcher les Sex Pistols d'en vendre 150 000 exemplaires, ce qui est colossal pour l'époque, la seule première semaine. Donc, on voit que quelque chose commence à bouillir tout doucement à cette époque-là. Et malgré ce que la reine et malgré ce que le pouvoir essaye de faire passer. Alors, dès le début, puisqu'on considère que 1976-1977, c'est le coup d'envoi véritablement du punk en Grande-Bretagne, dès le début, ce que les punks et les Sex Pistols constatent, c'est d'abord l'échec des créatifs de l'époque. Ils s'opposent d'une part au renoncement de la culture pop à proposer une alternative au système consumériste, et qui en plus de ça, en lui offrant une devanture, avait fait passer la pilule d'un système économique ultra-violent dont ils vont payer les pots cassés. Et d'autre part, par leur style musical, vestimentaire et même leur choix de vie, des choix de vie alternatifs, vivre en squat notamment, etc., ils viennent chambouler tout l'esprit contre-culturel, petit bourgeois, arty, transdisciplinaire, qui s'était développé pendant 20 ans. En fait, ce qu'on a pu voir au début de la conférence. Et eux vont substituer à cet esprit transdisciplinaire, bon chic, bon genre, en quelque sorte, une urgence.
une urgence de changement immédiat et qui va passer aussi par la musique. Alors, je continue avec l'exemple de God Save the Queen. À ce titre, God Save the Queen était dangereuse à cette époque parce qu'elle rappelait que finalement tout était pourri. Le passé, le présent, mais qu'en fait le futur, il ne s'annonçait pas bien meilleur. Il était aussi pourri que le reste. Et pour eux, comment dire, plutôt que de rester enfermés chez soi, eux faisaient le choix de l'action. Plutôt que de rester enfermés, confinés chez eux, eux, ils faisaient le choix de sortir justement et de gueuler leur mésentente à la face du monde. Et donc avec le punk, la jeunesse d'un coup, elle devient active. Elle n'est plus cantonnée en fait à des marges, à des zones extrêmement limitées en fait d'une création un peu sombre qui évolue dans l'underground comme on l'appelle, mais elle sort dans la rue et elle est porteuse d'un message revendicatif. Et ça, c'est très soudain à cette époque-là. Donc, la jeunesse devient active et cette jeunesse qui, dans les années 60, était ciblée parce qu'elle constituait un marché juteux, ben désormais, et on le voit très bien dans la façon dont les journaux vont en parler, elle devient un véritable problème de société. C'est-à-dire que les punks, et par extension les jeunes, puisque c'est une culture jeune, deviennent un problème de société. Pourquoi ? Parce que le punk annule précisément la raison d'être économique de la jeunesse et lui substitue le bruit, le droit à l'outrage, l'incitation au passage à l'acte, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal d'hymnes punk de l'époque, et notamment dans la fameuse chanson « London Calling » des Clash, dans laquelle Joe Strummer dira « Maintenant, la guerre est déclarée et la bataille approche ». Et la bataille, elle se joue dans la rue. Elle se joue sur un plan culturel, mais le culturel à cette époque ne se pense pas autrement que inclus plus généralement dans la société qu'il a fait. Alors, si on s'intéresse maintenant au logiciel mis en place par cette sous-culture punk, on peut dire qu'elle invente précisément de nouvelles formes culturelles selon un processus de rupture avec un certain nombre de normes imposées par des groupes de référence qui définissent et valorisent aussi les valeurs qui sont portées dans la société, les valeurs hégémoniques, les valeurs légitimes, généralement acceptées par la société. Alors pour simplifier, on pourrait dire que ces groupes de jeunes, ces sous-cultures, ce sont des groupes réfractaires à l'ordre établi pour différentes raisons et ils s'articulent donc, ils s'organisent si vous voulez autour de nouveaux standards, de nouvelles valeurs qui, lorsqu'elles véhiculent une opposition franche à la culture établie, deviennent par la même occasion des contre-cultures. Et à un moment donné, le punk va devenir une véritable contre-culture dans le sens où elle propose des alternatives qui vont à l'encontre de pratiquement tout ce qui est valorisé, tout ce qui est considéré comme légitime en fait par la bonne société britannique. Alors, dans ce contexte, le comportement d'un jeune qui ne se reconnaît pas dans ces valeurs de la bonne société est influencé par la perception que celui-ci se fait des réactions de l'autre, des réactions de celui qui accepte les valeurs portées par la société. Et donc, il faut rappeler que la sous-culture, et a fortiori la sous-culture punk, elle se définit d'abord par une opposition aux dominants. C'est à elle, c'est aux valeurs des dominants, en fait, qu'elle va s'opposer et qu'elle va se mettre en fracture. Et donc, pour résumer, très vite, un groupe, une sous-culture, comme on l'appelle alors, se définit donc par un processus de reconnaissance des membres du groupe entre eux, c'est-à-dire qu'un punk reconnaît une autre personne comme étant punk et donc s'identifie quelque part, il va créer quelque chose de plus grand que l'individu ou que le duo, en quelque sorte. Et ce qui les unit, c'est finalement leur impossibilité d'adaptation à un système social plus large. Il y a un certain nombre de valeurs en fait, qui sont portées par cette société, des valeurs dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas et avec lesquelles ils décident de se mettre en opposition. Ils décident de se mettre en fracture, en quelque sorte. Alors,
ces groupes sous-culturels, ils entretiennent un rapport ambigu et changeant aux médias. Ça, c'est une autre de leurs caractéristiques. Et d'ailleurs, si l'étude des sous-cultures et plus spécifiquement de la sous-culture punk vous intéresse, il y a un ouvrage génialissime d'un sociologue britannique qui s'appelle Nick Hebdige, j'aurai l'occasion de le redire à la fin, qui s'appelle donc précisément Sous-culture, le sens du style, dans laquelle il décortique de façon magistrale en fait toute la sous-culture punk depuis son émergence jusqu'à sa mort présumée, on va dire, à la fin des années 80. Mais donc, il y a un phénomène sur lequel il insiste particulièrement dans cet ouvrage, c'est le rapport justement que ces sous-cultures entretiennent aux médias, au rapport ambigu et changeant qu'ils entretiennent avec elles. Et à l'époque d'émergence du punk, les médias, on le voit, peuvent servir de source d'approvisionnement d'éléments visuels qui permettent aux punks de créer leur bricolage stylistique. À la fois cet assemblage destroy, comme on l'appelle à l'époque, donc avec des patchs, des trous, etc., etc., donc des coiffures extravagantes, voilà, qui vont piocher un peu de ci, de là, en fait, dans ce qui leur parvient par le prisme des médias. Mais les médias peuvent au contraire servir d'outils hégémoniques, donc d'outils de la culture mainstream, qui annulent complètement en fait le potentiel de résistance de ces groupes en les assimilant, en les lissant et en les proposant au public sous la forme de nouveaux biens de consommation. Et donc c'est ce que l'on nomme aussi le phénomène de récupération, dont les médias sont souvent partie prenante en quelque sorte. Et le punk n'échappera bien évidemment pas à ce phénomène de récupération. Alors vous avez un très très bel exemple ici, très récent aussi, puisque vous savez, il date de 2020. En fait, je pense que c'est 2019. Je crois que j'ai fait une erreur ici. C'était l'année dernière. Alors j'ai vu ça en vrai, dans l'espace public. J'étais effaré de voir ce truc. Mais ça a vraiment existé. Donc c'était une exposition annoncée dans un centre commercial. Les fameux centres commerciaux de Rive Gauche, c'était à Paris l'année dernière, une exposition sur le punk, voilà, qui n'avait rien d'une exposition. Alors, j'ai pas pris la peine d'aller voir, mais donc, pour moi, c'était un exemple sublimissime de cette forme de récupération, encore une fois, qui a été amenée, bon, qui a demandé un peu de temps quand même, mais donc, on passe de, comment dire, la considération que les jeunes en fait sont une force d'opposition culturelle, une sorte de menace en fait à éteindre, à ceci en l'espace de 4 décennies. Et donc voilà, le temps fait son office. Alors en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que déjà dans les années 80, donc seulement quelques années après l'apparition du punk, pour beaucoup de groupes, le label punk qui était octroyé par les médias était déjà synonyme de faire valoir. Il avait déjà, pour plusieurs groupes punk, été récupéré par le marché et le véritable esprit punk, l'esprit contestataire des débuts, pour tous ces groupes, un tant soit peu critiques, qui essayaient de proposer de véritables alternatives sociales, ils ne pouvaient se penser autrement que dans une éthique. Et une éthique, comme ils l'appellent alors, DIY, do it yourself. Alors le DIY, il émerge à cette époque-là, véritablement. Il est porté par plusieurs groupes punk. Et donc, très vite, DIY, ça veut dire do it yourself, fais-le toi-même. Et c'est pour eux un véritable engagement critique. C'est aussi un engagement de vie. C'est un moyen de s'opposer au modèle dominant qui se pense donc sur un mode collectif, basé sur la capacité à créer, à détourner, à contourner un petit peu ce qui leur parvient. C'est aussi un moyen de se prouver que l'on peut agir, que l'on peut produire, que l'on peut penser en autonomie, et surtout en autonomie des valeurs, mais aussi des cadres qui sont définis par la société. Et donc le do-it-yourself, très rapidement, à partir des années 80, aussi parce qu'il est porté par pas mal de groupes, dont certains sur lesquels je vais revenir, il représente un état d'esprit qui permet de renforcer comment dire, l'appartenance collective en quelque sorte, parce qu'il associe un idéal, celui de l'autonomie, et une pratique, l'autoproduction. C'est-à-dire que on est aussi dans un agir, on est aussi dans un faire avec le DIY. Il y a une forme d'engagement critique qui est bien là,
Et il y a eu aussi la fameuse capacité d'expérimenter, en fait, qui est léguée par les générations précédentes. Notamment parce que l'on a pu voir tout à l'heure ce qui se passe dans les années 50-60, en fait, cette volonté de tester de nouveaux langages créatifs, etc., elle est tout doucement infusée, en fait, dans ces nouveaux groupes qui portent cette éthique DIY. Et j'ai pris un exemple ici à l'écran. Donc, pour moi, cette logique d'autoproduction, elle trouve sa forme emblématique dans quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui va vraiment être, qui va vraiment se développer à cette époque-là avec le punk, c'est le fanzine. Le fanzine, donc, c'est une petite publication modeste qui est créée sans autre considération que le désir de prendre la parole, de partager, d'écrire, de produire une pensée, etc., etc., et de la diffuser. Et donc, il y a un sociologue qui s'appelle Samuel Etienne qui a écrit un très bon bouquin sur le sujet. Et donc, pour lui, il dit que le fanzine est un objet intéressant parce qu'il conjugue les 3D. Décapitalisés, déprofessionnalisés et désinstitutionnalisés, qui vont aussi être les 3D en fait du punk quelque part et de l'éthique punk. Alors, il est décapitalisé parce qu'il est créé avec les moyens du bord. Il est déprofessionnalisé parce que celles et ceux qui les créent ne souhaitent qu'une chose, c'est partager leur passion. Et il est désinstitutionnalisé parce que il échappe au circuit de la grande distribution. Donc, en bref, c'est une activité créative, aussi critique, parce qu'il y a beaucoup de fanzines en fait, qui vont quand même matérialiser une pensée, qui peut se réaliser en dehors d'une capitalisation en s'appuyant sur un autre système, à savoir la coopération. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la plupart en fait, de ces objets sont des objets collectifs, qui sont pensés en collectif, qui sont diffusés en collectif. Donc très vite, les sujets abordés par les fanzines, ils sont vraiment multiples. On pourrait presque dire qu'il y a autant de sujets que de personnes qui font des fanzines. Mais à l'origine, c'est quand même des objets qui sont créés par des passionnés et surtout des passionnés de musique. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des fanzines engagées en fait qui vont prendre comme sujet d'étude, je sais pas, des problématiques de l'époque comme les minorités, l'environnement, beaucoup aussi à cette époque-là. D'autres sont de purs objets esthétiques. Donc, encore une fois, il y a une multiplicité de types de fanzines. Et d'ailleurs, vous pouvez en voir un sacré paquet dans l'exposition Punk Graphics. Certains qui sont d'une rareté assez incroyable et qui là portent précisément sur la petite scène punk, voilà, ou une des scènes punk et rien d'autre. Alors, il y a un groupe sur lequel je voulais revenir très vite avant de terminer parce qu'il va porter haut et fort cette éthique DIY. Je l'ai évoqué très brièvement tout à l'heure, ce groupe c'est Crass, CRA2S. Alors Crass c'est un groupe très particulier qui pense son intervention pas juste dans la musique mais aussi dans l'engagement. Donc déjà les paroles qu'il produit sont engagées, donc elles traitent d'à peu près toutes les problématiques sociétales de l'époque, toutes les problématiques d'ampleur, donc l'action directe, l'antifascisme, le féminisme, le pacifisme, l'écologie, l'antimilitarisme, etc. Le tout servi par une musique très abrasive qui sonne un peu comme un appel aux armes. Et d'ailleurs, eux vont porter des costumes sur scène. Ils vont détourner complètement donc les attributs généralement associés au domaine militaire. Ils mettent un logo sur leurs albums. Ils s'habillent en noir. Ils portent des sigles, etc., etc. Ils ont des paroles engagées. Donc tout ça va en quelque sorte va en faire un groupe à part, on va dire, dans cette scène punk qui connaît son premier boom à la fin des années 70 et au début des années 80. Alors, bien évidemment, ils vont très vite mobiliser l'aspect visuel dans la diffusion de leur message. Alors, d'abord par le look dont je viens de parler, mais aussi par leur pochette d'album. Des pochettes d'albums qui sont un moyen de faire passer un certain nombre de messages à grande échelle. En tout cas, eux, c'est le discours qu'ils tiennent. Pour eux, c'est clairement ça. Un album sert à être distribué et donc à faire passer à prêcher la bonne parole, on va dire, auprès du grand public.
pour faire passer ce message, ils mobilisent plus ou moins tout ce qui est à leur disposition en fait sur cette plaque vinyle. Alors vous avez ici à droite la pochette de leur deuxième album Stations of the Cross, qui est déjà une parodie. Donc le titre est en soi une parodie du fameux chemin de croix, Stations of the Cross, mais qui se réfère également et explicitement, pour celles et ceux qui le savent à l'époque, à une campagne de graffiti que Crass va entreprendre quelques mois plus tôt dans les métros londoniens. Alors ça, c'est une première, c'est-à-dire qu'un groupe qui se définit comme un groupe de musique punk va aussi penser à un certain nombre d'activités et d'actions pour faire vivre son message, pour porter son message. Et généralement, ces moyens qui sont inventés, ils prennent place, bien évidemment, là où il y a du répondant, c'est-à-dire dans l'espace public. Donc, eux vont entreprendre cette campagne de graffiti. Donc, on en voit un certain nombre ici sur la pochette. On voit aussi le logo du groupe. On voit des messages anti-guerre, anti-consuméristes. On voit des messages anarchistes aussi, féministes, etc. Donc, Crass, il est intéressant parce qu'il va faire la jonction en fait entre tous les mouvements les plus engagés en fait des 30 dernières années, et il va accélérer en quelque sorte le mouvement en inventant toujours de nouvelles formes à partir de là. Alors, dans la droite lignée des situationnistes dont je parlais tout à l'heure, ils vont pratiquer l'action directe. Donc, je vous disais qu'ils graffent, ils vont squatter aussi des espaces vacants, c'est-à-dire qu'ils décident d'arrêter complètement en fait de payer des loyers, et puis ils disent qu'il y a assez d'espaces vacants en fait dans la ville de Londres, et donc à partir de là, ils commencent à s'organiser, à s'autogérer. Ils vont organiser aussi beaucoup de meetings, ils vont publier des tracts, ils vont faire des fanzines, non pas musicaux mais engagés cette fois-ci, auxquels vont collaborer beaucoup de gens, qui vont produire des pensées. Alors, il y en a certains qui seront très connus, qui sont aujourd'hui des objets très prisés des collectionneurs. Mais leur meilleure arme, quelque part, ça reste les paroles de leurs chansons. Et ces paroles, ce sont des commentaires généralement assénés sur un ton très sarcastique des décisions politiques du moment. Donc, ils placent leur action musicale directement donc, sur le terrain de l'engagement. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours dans des phases d'opposition. Et si un groupe comme Crass émerge à cette époque-là, c'est avant tout en réaction, en opposition au développement d'une politique qui s'ancre en Grande-Bretagne à cette époque, une politique néolibérale ultra-violente, qui est incarnée donc par Margaret Thatcher, qui vient d'accéder au pouvoir. Et juste pour replacer dans son contexte et avant de conclure, quelques exemples de cette politique néolibérale. L'accès au droit du sol est limité à partir de 1981, limite également de l'action des syndicats, intensification massive des privatisations, hausse globale des impôts, ce qui aura pour conséquence de creuser encore plus le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Ça va être terrible pour la Grande-Bretagne à cette époque. Elle module le salaire aussi des enseignantes et des enseignants au mérite. Elle engage ses troupes aussi dans une guerre éclair et sanglante contre l'Argentine qui fera quelques centaines de morts en l'espace de quelques jours, tout en entretenant bien sûr des relations privilégiées avec certains des pires dictateurs de la planète, donc Pinochet au Chili, le dictateur Soeharto en Indonésie, ou encore pour le plus connu d'entre eux, Ronald Reagan aux États-Unis. On voit pourquoi à un moment donné une telle déflagration punk prend de l'essor à cette époque-là, va se cristalliser et va en venir à proposer encore une fois des intentions comme celles qu'elle propose et qui débordent largement encore une fois du milieu musical, qui deviennent des intentions, qui deviennent des manifestes en fait qui se jouent dans l'espace public, etc. Et qui sont pensés selon cette fameuse éthique DIY sur laquelle en fait, je souhaitais conclure ici avec cette partie donc du fanzine au Fab Lab, puisqu'en fait, si on fait un petit bond dans le temps, aujourd'hui, on voit qu'il y a toute une culture, une maker's culture, comme on l'appelle aujourd'hui, une culture qui tente à revivifier et même à repenser complètement les modes de production.
qui se pense aussi sur un mode collectif, qui se pense selon cette éthique DIY, d'entrepreneuriat collectif, en quelque sorte. Et ce travail collectif qui se déploie aujourd'hui, il est bien évidemment tributaire de cette époque-là. Il est bien évidemment tributaire de cette mouvance punk, de ce que l'on a appelé à un moment donné une contre-culture, une culture d'opposition. Et ce travail collectif, aujourd'hui, il est certain qu'il bénéficie des expériences, des images, des imaginaires aussi, forgés par les générations précédentes, qui ont eu comme dénominateur commun de vouloir proposer des alternatives, de vouloir proposer des alternatives et des solutions aussi aux problèmes. Alors, des solutions plus ou moins constructives, ça je vous l'accorde. Et donc, au fondement de cet idéal, de ces alternatives, pardon, il y a un idéal, c'est celui de l'autonomie. Celui de l'autonomie qui, comment dire, qui était déjà le moteur en fait, des contre-cultures des années 50, qu'il est devenu dans les années 60, qui va prendre toujours plus d'importance dans les années 70 et 80, et qui le reste encore aujourd'hui, cette autonomie qui, pour beaucoup de gens, est une voie d'émancipation, en quelque sorte. Et je terminerai juste sur les propos d'un monsieur qui s'appelle Joe Savage, qui a été auteur il y a quelques années d'une histoire du punk, et qui disait dans une interview, l'équivalent punk de cet héritage serait donc l'élan DIY. Un jeune de 14 ans aujourd'hui, où qu'il vive dans le monde et quoi qu'il fasse, peut se dire, ok, je vais monter un groupe, je vais faire un site web, je vais écrire un fanzine, je vais tourner un film, faire un blog, etc. Cet élan est désormais considéré comme naturel et acquis chez les jeunes, et ça, je pense que c'est l'héritage punk. Et sur ces belles paroles, je vous remercie pour votre attention.